Bonjour la famille, c'est toujours Guilmas, chronique de Net TV. Partagez la vidéo comme d'habitude, commentez si vous avez des commentaires, abonnez-vous, vous qui n'êtes pas encore abonné, vous qui êtes nouveau à la chaîne ici, et faites des commentaires si vous en avez des suggestions. La question que je vais poser à M. Fally Ipupa, l'homme qui fait de la bonne musique, qui fait égayer la population africaine, qui se fait respecter également dans le monde des showbiz. Bah, oyo, vous qui m'insultez, vous qui me menacez, puisque je parle de Koffi Olomide, puisque je défends la personne de Koffi Olomide, vous qui voulez me donner la ligne de conduite dans mes émissions, dis-moi d'abord une chose, afin que je m'appuie, afin que je m'agenoue, afin que je fasse votre volonté. Dis-moi ce que Fally a fait de ouf dans la musique africaine, dans la musique congolaise. Qu'est-ce que Fally nous a amené de nouveau dans la musique congolaise? Dis-moi le concert même, un simple concert qui est resté dans l'annale de la musique congolaise, soit africaine. Quels sont les spectacles que Fally a joué et que on parle de ça pendant plus des années? Il n'y en a pas. Fally fait de la musique comme tout le monde. Si on prend un monsieur comme Koffi Olomide, vous voulez l'insulter juste puisque on lui jette des fleurs, puisqu'on dit qu'il est une légende. Vous voulez tuer les gens à cause de cela. Dis-moi aujourd'hui, si Fally a un album qui a été à la hauteur d'un des albums de Koffi Olomide, citez-moi seulement un album. Citez-moi un concert qui a fait parler du monde de Fally Ipupa, mais moi je vais vous citer les concerts de Koffi Olomide. Depuis que Koffi Olomide est devenu Koffi Olomide, depuis que Fally est devenu Fally, Koffi Olomide nous a fait des cris, des animations qui sont restées pendant plus de 10 ans. Koffi Olomide. Vous allez me dire, ah, oh, Lungwa Kuna sorti là. Mais album de Wake Up, Tiamutu Bakata, jusqu'au jour, c'est Koffi qui était animateur, qui a fait l'animation de l'album. À part ça, il y en a Papa Mobimba, c'est Koffi Olomide. Selfie, c'est Koffi Olomide. Ce sont des animations, des cris qui ont capté tout un continent africain. Ça, ce n'est pas Fally. Depuis que Fally a fait la musique, quels sont les cris, les animations qui nous ont captés dans la musique de Fally Ipupa? Je peux dire même ce que lui-même nous a donné. Quelle est cette animation-là? Aucune. Mais Koffi Olomide, qui n'est pas animateur, un chanteur, mais qui s'est improvisé depuis la nuit des temps. Il était animateur de son propre orchestre depuis les débuts. Jusqu'aujourd'hui, les cris qu'il nous donne, ça capte toujours l'attention de tout le monde. Papa Mobimba, un simple concert simple, mais ça s'est vendu, ça s'est écouté plus qu'un album de Fally Ipupa. Et puis vous voulez me donner les lignes de conduite dans mes émissions sans avoir des arguments solides pour me convaincre. Je ne suis pas fanatique numéro un de Koffi Olomide, mais j'aime les chansons qu'il nous donne, j'aime la façon dont il chante les chansons. Un homme intellectuel, un homme qui a su imposer la musique congolaise sur l'échiquier international. L'homme qui est représenté plus que même les Congos lui-même. Lui, il est représenté partout plus que les Congos. Et vous voulez que je puisse adorer Fally Ipupa? Pendant qu'il y a un monsieur qui est tellement doué dans les talents de la musique. L'homme qui a créé Fally Ipupa. L'homme qui a donné à Fally Ipupa la vie. L'homme qui a formé Fally Ipupa. Il lui a acheté les habits, il a acheté à Fally Ipupa de la nourriture, il a donné à Fally de la nourriture, il a donné à Fally Ipupa une place pour dormir, il a donné à Fally Ipupa le goût de faire la musique, il a donné à Fally Ipupa les passeports, il lui a payé les billets pour aller en Europe. Il s'est investi dans la vie, dans la carrière de Fally Ipupa.
le Koffi Olomide que vous voyez là-bas. Même si vous essayez de fermer les yeux, mais votre conscience vous dira toujours que Koffi Olomide a fait beaucoup pour Fally Ipupa. Et vous devez respecter Koffi Olomide jusqu'à la fin du monde. Vous devez du respect à ce monsieur-là. Koffi n'est pas à la hauteur de Fally Ipupa. C'est lui qui a donné à Fally Ipupa la vie. Vous qui m'insultez parce que j'ai dit seulement que Fally Ipupa est derrière les tabous qui est passé, qui se passe aujourd'hui envers les noms de Koffi Olomide. Juste ça, mon point de vue qui n'engage que moi, selon les analyses qui sont sur les réseaux sociaux, vous commencez à m'insulter, vous m'envoyez des messages, des menaces. Attention, moi on ne me menace pas. Tu ne m'as pas amené ici pour faire les vidéos. Tu ne m'as pas amené ici pour faire mes analyses. Tu ne m'as jamais acheté aucune chose. J'ai acheté mes choses. Je me suis imposé seul ici sur les réseaux sociaux en parlant de la vérité, en vous amenant des vraies analyses. Puisque tout le monde est pâché à quelqu'un. Il y a les gens qui sont seulement pour faire égo là. D'autres sur Fally Ipupa. Mais moi, je suis ici pour donner des vraies versions de la musique. Selon moi, ce sont des analyses vraies, confirmées et affirmées par beaucoup de gens. Quand je dis de telles choses, et puis est-ce que je suis pour Koffi? Je ne suis pas pour Koffi, mais je ne fais que relater des vérités et des réalités. Koffi a fait beaucoup de choses sans Internet, mes chers amis. Avant que l'Internet soit Internet, avant qu'on ait les YouTube, les Facebook, Koffi a fait de la musique pure, la musique au sens du mot, sans instruments, sans des machines pour améliorer les voix. Non, il chante avec sa propre voix, une voix d'homme. Et quand il nous présente ses albums, ses chansons, à commencer par des chansons comme Moulerengo, les chansons comme Rue d'amour, les chansons comme Civilisé, des chansons comme Zéro faute, Mbabola. Il y a des chansons comme il y en a tellement plein. L'album comme V12, l'album Papa Bonheur, Papa Plus, Noblesse oblige. Il y en a plein d'albums de Koffi Olomide. Koweït Rive Gauche, on en a album, on a Magie, on a V12, on a quoi? Tous ces albums-là, ce ne sont pas des monotonies. Quand vous écoutez l'album, par exemple, Papa Plus et l'album de Papa Bonheur, les sons diffèrent, les chansons diffèrent. Donc, même la façon dont Koffi Olomide chante les chansons, vous avez l'intention d'écouter tout un album. Mais Fally Ipupa, qu'est-ce qu'il nous a donné? Les gens qui vont forcer au monde de croire que Fally est tellement plus que tout le monde, ce sont les petits démons, les petits youtubeurs qu'on met sur les réseaux sociaux en train de falsifier la réalité, en train de falsifier la vérité. Et mais c'est comme Mboutalikas. On dit d'abord, de façon que vous voyez sa figure, ça montre qu'il est vraiment, il est vilain à l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Mais c'est lui qui va imposer aux gens que Fally est comme ça. Je vous disais avant que Fally il faisait du succès, puisqu'il faisait toujours des albums seuls, il n'y avait personne sur le marché des disques. Mais de les trois dernières années, il y a Eritio Atanabile venu, Koffi Olomide nous a donné l'album, Jibem Piana nous a donné l'album, Inosbi nous avait donné Mortel 6, il nous a donné Maboko Milai. Est-ce que vous écoutez Fally Ipupa la façon dont on écoutait Fally Ipupa il y a 3-4 ans? Les choses ont changé, puisque le monde musical aujourd'hui a imposé aussi des disques sur les marchés. Nous avons mis en chemin des mots que Fally Ipupa n'a pas même eu à effacer sur les marchés des disques. Là, les chansons de Mia Jmi Demo, ça joue jusqu'à aujourd'hui, 2 ans, mais les chansons sont toujours là. Pendant que Fally, il nous a déjà donné 2 albums. Il y a l'album, je ne sais pas, Gold, et puis il nous a donné l'album Formule 7. Et puis, l'album Formule 7 est à voie de disparition.
Mais on est en train de forcer les gens, soit disant que l'album est là, mais l'album n'est plus là. Si vous écoutez l'album Légende de Koffi Olomide, ce ne sont pas les chansons de l'album Légende. Ce ne sont pas les chansons que vous voyez partout, par-ci, par-là. Ce sont des chansons classiques que Koffi Olomide nous a données. Il nous a donné un album au vrai sens du mot. Il nous a donné de la musique pure. La musique pure, la musique au vrai sens du mot. Ce ne sont pas les chansons comme de Fally Ipupa. Je ne peux pas dire que toutes les chansons de Fally Ipupa sont mauvaises. Il y en a 3-4 chansons qui sont vraiment à la hauteur de la musique. Mais c'est du pire tchatcho de Koffi Olomide. Il a chanté les chansons de son papa. Il est passé par le quartier latin et il nous donne, il ne reflète que du tchatcho du quartier latin. Il n'y a pas de nouveau que Fally nous a donné. Il n'y a rien de nouveau dans les affaires de Fally Ipupa. Tout ce qu'il nous donne, quand il retourne dans la rumba, il nous donne, il ne nous donne que Airways, il nous donne que des, il nous donne des chansons de Koffi Olomide, les mêmes rythmes de Koffi Olomide. Mais quand Koffi Olomide nous donne des chansons, écoutez la chanson comme Pont Rouge, écoutez Limbembe, écoutez la chanson comme il y en a beaucoup les titres, je ne sais pas encore que je suis en train d'écouter les chansons d'abord. Il y en a tant, plus de 13, je ne sais pas c'est 13 chansons. Toutes les chansons sont à la hauteur d'être appelées des chansons classiques. Mais dans l'album de Fally, quelle est la chanson classique de Fally? Il n'y a que des chansons avec des instruments nouvelles. Vous écoutez des chansons, c'est comme si vous n'avez pas l'amour, l'affection de vous capter dans une seule chanson. Vous avez besoin de sauter, écouter d'autres chansons. Mais Koffi Olomide, quand vous écoutez sa chanson, vous êtes obligé d'écouter jusqu'à la fin pour passer à la deuxième chanson. Les gens qui parlent de l'album Légende, souvent ce sont les gens qui n'achètent pas des chansons. Ce sont les gens qui écoutent les chansons seulement à passant. Mais nous qui achetons des chansons, nous qui prenons du temps à télécharger les chansons là, nous avons du temps. Même si on est dans la voiture, on connecte les Bluetooth, radio, vous écoutez à conduisant. Vous écoutez toutes les chansons. Sans, j'ai écouté Fally, j'ai écouté JBM Piana, j'écoute tout le monde. Mais vous ne pouvez en aucun cas comparer l'album de Légende avec l'album Mortel 7, je ne sais pas, Formule 7. C'est impossible. Les chansons de Koffi Olomide sont des chansons classiques, purement classiques. La vraie musique, la musique, quand on parle de la rumba, on parle de Koffi Olomide. Bien qu'il a changé le nom de rumba au tchatcho, c'est lui toujours le peintre. Il est toujours en train de mettre la peinture, toujours en train de décorer, mettre la peinture à notre cher patrimoine rumba congolaise. Mais on n'a pas nié la force de Fally Ipupa dans la musique congolaise. On n'a pas nié ça. Mais vous qui exagérez, vous qui voulez montrer à tout le monde, au monde, que sans Fally, il n'y aura pas la rumba. Sans Fally, il n'y aura pas de musique R&B. Sans Fally, il n'y aura pas ceci. Mais ça, c'est dit n'importe quoi. Fally est là sur le marché des disques. JB a fait balle de match. Tout le monde, quand vous écoutez les chansons, qui fait mieux? Fally lui-même sait que les vieux là ont travaillé. JB et Koffi Olomide. Fally lui-même sait que ces deux vieux là ont travaillé. Mais vous allez voir un monsieur comme Mombaya. Tellement qu'ils sont ivres, ils ont déjà bu du sang. Ils ne comprennent plus rien la réalité. Ce sont des gens sanguinaires. Pour dire seulement que Koffi Olomide a fait un très bel album, c'est pour eux c'est difficile. Il faut toujours que c'est Fally qui est bon. Chaque jour, c'est Fally qui est bon. Il y a même pas Fally, c'est parfait. Il n'a jamais fait de faille. Dans l'album ici, Légende, on ne peut pas comparer la musique de Koffi Olomide et la musique de Fally Ipupa. La musique de Fally Ipupa, c'est la musique des affaires de 14 ans, 15 ans, 12 ans. C'est ça. Fally est en train de miser sa musique à ces affaires-là. Mais pendant que Koffi Olomide, toute personne, toute catégorie confondue est emballée avec la musique de Koffi Olomide. Toute catégorie confondue, toute génération est sous Koffi Olomide. Qu'on le veuille ou pas, qu'on critique ou pas, c'est ça la réalité. Koffi Olomide nous a donné un très bel album. Fally Ipupa, tu dois avoir l'esprit de donner une ligne de conduite à tes serviteurs qui sont sur les réseaux sociaux. Vous ne devez pas
à chaque fois dénigrer une légende, une personne qui a là, qui a une trempée, une valeur des présidents. Ça, c'est Kofi Olomide. Vous allez apprendre à donner les lignes de conduite, comment parler quand il s'agit de Kofi Olomide à tes bébés qui sont sur les réseaux sociaux. Kofi t'a donné la vie, ne fût-ce que ils doivent reconnaître que Kofi vous a donné la vie. Kofi vous a donné ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Sans Kofi, Fally Poitiers serait toujours dans la poussière de Kinshasa. Sans Kofi, Fally, tu serais toujours en train de sillonner, en train de demander un petit mandat dans la ville. Mais quand tu regardes là où tu y es, là où tu es sorti, là où tu es passé, là où tu es arrivé aujourd'hui, tu dois dire à un moment donné merci Kofi Olomide pour m'avoir sauvé la vie. Tu dois être capable de dire merci Kofi Olomide pour me faire ce que je suis aujourd'hui. L'ingratitude n'est pas bonne dans la vie. Il faut être capable d'accepter la main qui t'a secouru à un moment donné. La main de Kofi là t'a secouru, t'a donné la bénédiction. Là où tu es aujourd'hui, c'est grâce à cette main-là que tu es devenu Fally Ipupa. Alors il faut arrêter avec vos bêtises pendant que vous n'avez rien fait encore jusque-là. Et M. qui a plus de 67 ans, il t'a donné la vie. Au lieu de lui rendre l'ascenseur, tu es passé à côté Fally Ipupa. Tu es passé vraiment à côté. Si moi j'étais à ta place, je devais demander pardon. Pardon, pardon encore une fois à ce que tu as fait à Kofi Olomide, à envoyer les gens à insulter Kofi Olomide. Sinon, je m'arrête ici. Je vous aime trop. À la prochaine.